Prochaine fois, nous serons en mesure de poursuivre et de continuer dans ce sujet. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu? Amen. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Amen. Amen. La parole de Dieu, vous savez, lorsque vous venez premièrement à Christ, vous avez toutes les idées possibles sur la divinité. Mais plus vous lisez, vous comprenez que le Seigneur Jésus-Christ, c'est la parole. Amen. Amen. Il est la parole. Et plus vous la lisez, plus elle vous concerne, plus vous ressentez vraiment que le monde est vraiment éloigné de la vérité. Amen. Amen. Et lorsque vous commencez à réaliser cela, c'est là que maintenant ça commence à faire mal au ventre. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc nous allons nous tenir debout et nous allons prendre nos Bibles. Si nous pouvons ouvrir nos Bibles. Dans le livre de Lévitique, au chapitre 23, je vais lire le 23e et le 24e verset. Et puis nous allons lire aussi en Ésaïe, le chapitre 27, je lirai le 12e et le 13e verset. La parole de Dieu déclare, « L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le septième mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes et une semaine de convocation. Ésaïe 27, 12 à 13. En ce temps-là, l'Éternel sécoura des fruits depuis le cours du fleuve jusqu'au torrent d'Égypte. Et vous serez ramassés un à un, enfants d'Israël. En ce jour, on sonnera de la grande trompette, et alors reviendront ceux qui étaient exilés au pays d'Assyrie, ou fugitifs au pays d'Égypte. Et ils se prosterneront devant l'Éternel sur la montagne sainte à Jérusalem. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Voilà quelques versets que le frère Branham a utilisés pour nous apporter une prédication qu'il a intitulée « La fête des trompettes ». Amen. La fête des trompettes, amen. Alors, Dieu a mis sur mon cœur de parler un peu de la fête des trompettes, amen. Et vous voyez, la fête des trompettes, lorsque j'étais en train de penser comment apporter ça, je me suis dit que, bon, si j'apportais ça, et que, bon, les gens ne savent même pas situer ça, comment est-ce que les gens comprendront? Amen. Comme je l'ai toujours dit en Apocalypse 4, la raison pour laquelle on a demandé à Jean de monter, c'était de lui donner l'ensemble, amen, de lui donner le preview. Amen. J'ai oublié le mot en français. L'avant-première. Donc, lui montrer la chose dans l'ensemble, qu'il voit ce qui était, ce qui est,
et ce qui doit venir. Amen. Les choses qui étaient, qui sont et les choses à venir. Et il a vu toutes ces histoires-là en avant-première. Et il est maintenant descendu sur terre pour maintenant voir les choses qu'il a vues dans l'ensemble se réaliser maintenant, une après une. Amen. C'est très important. Vous savez, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, nous avons quelque chose sur le cœur que nous voulons communiquer aux gens. Amen. Amen. En écoutant la parole de Dieu, nous devons commencer à faire chaque fois un effort pour saisir la pensée qui est derrière la prédication. Amen. Amen. Pas seulement venir écouter des prédications et partir et on ne retient pas la pensée qui était derrière la prédication. Amen. Vous comprenez? Alors, on a élevé Jean. C'était le type de l'enlèvement. On élève Jean dans le but de lui montrer toute la chose au ciel. Il voit toute la chose, il a une compréhension claire, comme je l'ai toujours dit. Quelqu'un qui est dans une entreprise, qui joue un rôle dans cette entreprise-là, si on ne lui a pas encore montré l'action générale de l'entreprise, il ne saura même pas parfaire son action. Dans sa position, il ne saura même pas prendre bien sa position s'il ne connaît pas le but de l'action de l'entreprise en général. Et lorsqu'on le prend, on explique notre entreprise, nous voilà notre but, notre action est située dans cette catégorie et nous faisons des choses pour viser les enfants, des trucs comme ça, directement lui aussi dans sa position. Il fait que dans sa position, son rôle puisse converger par rapport à ce que l'entreprise est en train de faire en général. Amen. Amen. Voilà pourquoi Jean était enlevé au chapitre 4 pour voir la chose dans l'ensemble. Et puis au chapitre 6, le frère dit qu'il est redescendu pour voir maintenant les choses s'accomplir. Or, si quelqu'un n'a pas encore fait ce mouvement-là pour voir les choses dans l'ensemble, ça sera difficile pour lui sur la terre de commencer à pointer que ceci est accompli, ceci est accompli, ceci est accompli. Parce qu'ils n'ont pas encore vu ça. Amen. Amen. Alors j'ai pensé, je me suis dit que non. Dans ce cas, au lieu d'aller parler directement de la fête des trompettes, j'ai vu que l'Éternel avait, il y avait dans l'Ancien Testament, il y avait ce qu'on appelait les fêtes de l'Éternel. Amen. Pas seulement dans l'Ancien Testament, dans la culture juive. Amen. Il y avait ce qu'on appelait les fêtes de l'Éternel. Alors, la fête des trompettes, c'est l'une des fêtes de l'Éternel. Alors, je me suis dit que aujourd'hui, bon, comme nous avons cette scène, je vais seulement introduire pour vous donner un peu la vue d'ensemble des fêtes de l'Éternel. Mais le but de mon sujet, c'est que je veux beaucoup plus insister sur la fête des trompettes. Amen. Après la fête des trompettes, Dieu voulant, je peux continuer avec la fête du jour des expiations, la fête des tabernacles et la sainte convocation, parce que c'est très important. Et ces choses ici, nous ne voulons pas les apporter chaque fois comme si ces choses sont des choses que nous apprenons, mais nous voulons ramener cela dans l'application de la vie de l'homme. Amen. Amen. Amener ça, rapprocher ça dans l'application de la vie de l'homme. En quoi est-ce que ça concerne l'homme? Alors nous voyons qu'il y avait une fête, un jour de repos qui était publié au son des trompettes. Et la fête des trompettes est l'une des fêtes de l'Éternel. Et ce sujet, je l'ai aussi apporté pour faire aussi suite aux prédications que nous avons suivies sur la Pâque. Amen. Amen. C'est très important. Vous devez comprendre ces histoires ici. Pourquoi Dieu fait ces choses? Parce que Dieu, mal compris, c'est lorsque Dieu fait des choses, les gens voient, ils touchent ça, mais ils ne comprennent pas le pourquoi. Jésus est venu. C'est pas seulement Pierre qui l'a vu, non. Beaucoup l'ont vu. Il y a Pilate qui l'a vu, il lui a même demandé qu'est-ce que la vérité. Beaucoup ont vu Jésus-Christ se ressusciter Lazare. Beaucoup ont vu Jésus-Christ se multiplier le pain. Beaucoup l'ont vu faire des miracles, guérir les malades, les extropier. Mais peu comprenaient ce que Jésus était et pourquoi est-ce qu'il faisait ça, en quoi est-ce que cela avait une connexion avec leur propre vie. Amen. Amen. Alors je crois que par la grâce de Dieu, Dieu va nous aider pour que nous puissions comprendre ces choses. Alors dans les fêtes de l'Éternel,
Je vais revenir sur ce tableau à un certain moment. Dans les fêtes de l'Éternel, les fêtes que l'Éternel avait, quelle était la première fête? Amen. Amen. Apprends le frère Lille, bien sûr. Qui connaît la première fête de l'Éternel? Quelle était la première fête de l'Éternel? What was the first feast of the Lord? Passover. Well done, c'est ça, Erika. Voyez? Alors, la première fête, c'était la fête de Pâques, que vous appelez la Pâques. Mm-hmm. On nous a déjà corrigé par rapport à la conception et à l'écriture. Donc, la Pâques qui signifie en anglais Passover. Celle-ci constituait la première Pâques et la première fête de l'Éternel que l'Éternel avait donnée aux enfants d'Israël. Alors, réalisez que cette première fête, la Pâques, parlait d'un agneau. Mm-hmm. Et cet agneau a été immolé avant même la fondation de ce monde. Amen. Amen. L'agneau a été immolé avant la fondation de ce monde. Et au temps de Moïse, puisque cela était dans la pensée de Dieu, Dieu, ayant des pensées éternelles, avant même qu'il puisse penser à la chute, Dieu dans sa pensée, parce que beaucoup de gens, lorsqu'on parle de l'agneau qui est immolé, ils le voient seulement Jésus sur la croix. Amen. Amen. Ça, c'était la matérialisation. Mm-hmm. Mais la pensée d'immoler un agneau était en Dieu avant même qu'il y ait chute. Donc Dieu, avant la chute, il avait déjà conçu un remède ou le moyen par lequel l'homme devait revenir. Alors, lorsque l'homme a chuté en Éden, toute la création qui est venue après l'homme était née dans le péché. Nous sommes venus par rapport à la conception que Satan a révélé au serpent. Et Dieu n'était pas d'accord avec cette méthode-là. Parce que c'est cette méthode-là qui nous amène la mort, c'est cette méthode qui nous amène les maladies, c'est cette méthode qui nous amène tout ce que nous avons. Tout homme qui est né de la femme doit mourir. Amen. 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 Il n'y a que l'homme qui est né de l'homme qui ne mourra pas. Yes, sir. Peu importe. Zabongo. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il était venu, lui qui était de la sémence de la femme, mais la sémence de Dieu, mais parce qu'il est né de la femme, il devait mourir. Alors vous comprenez par là que celui-même qui est venu d'une manière virginale, qui pouvait même être accepté et passer par la mort, nous aussi nous devions passer par là. Or, le Coran nous dit que lorsque vous avez un puits rempli d'eau sale, vous ne saurez jamais sortir de ce puits-là une bonne eau. Non. Voilà ce que signifie la Pâque. Donc sur la terre, il n'y avait personne. Personne qui pouvait encore venir acheter l'homme. Mm-hmm. Alors, la loi de Dieu était que pour le péché, l'homme devait mourir. Amen. Amen. L'homme devait mourir, c'était la loi du talion. Dent pour dent, œil pour œil, vie pour vie. Vous péchez, vous devez mourir. Mais dans la pensée de Dieu, ayant vu l'homme qui a chuté, qui devait mourir, Dieu a immolé un agneau dans sa pensée à la place de l'homme. L'homme qui péchait dans l'Ancien Testament, il méritait la mort. Alors qu'il reconnaissait et répétait dans son cœur que j'ai péché, il allait se chercher un agneau qui était sans défaut. Il l'amène présent sur le sacrificateur, il pose sa main dessus. Mm-hmm. Et dit que moi j'ai péché et je mérite la mort. Et cet agneau ici est en train de prendre ma place. Amen.
la vie de cet agneau ne pouvait pas retourner à accomplir le but pour lequel Dieu avait dans sa pensée. Amen. Voilà pourquoi Moïse, lorsque Dieu lui a donné l'audiovisuel en Genèse, il a vu les cinq livres de la Bible, la Pentateuque. Lorsqu'il a vu maintenant là-bas, il a compris ce qui s'était passé avec Adam et Ève. Lorsqu'ils ont péché, ils méritaient la mort, mais Dieu, avant de venir vers eux, il a appliqué ce qui était dans sa pensée, il a immolé un agneau et il leur a donné des peaux qui se sont couverts. Le sang avait coulé. Amen. Amen. Lorsque Moïse a vu ça, alors Moïse a ramené ça aux enfants d'Israël en Égypte. Comme l'ange de la mort devait passer, il leur a dit que vous devez immoler un agneau. Il doit y avoir quelque chose qui doit mourir à votre place. Et vous appliquez le sang sur vos linteaux. Amen. Amen. Alors, voilà pourquoi la Pâque est la première des fêtes. Puisque ça parle de Dieu lui-même qui devait descendre, prendre la place des hommes, porter leurs péchés. Amen. Amen. C'est le commencement de la vie chrétienne. Amen. S'il n'y a pas ça dans une vie, la chrétienté n'a pas encore commencé dans quelqu'un. Amen. Et remarquez que la Pâque, ça ne s'est pas passé, lorsque Moïse l'a institué, la Pâque ne s'est pas passée, n'a pas commencé dans la terre promise. Amen. La Pâque, la première que Moïse a instituée, ils l'ont eu en Égypte. Yes, sir. Recevoir cette révélation, ça c'est une grande, c'est la plus grande des révélations, c'est même la justification. Vous commencez à comprendre. Je vais prendre une citation du frère Branham. Dans la fête des trompettes, le frère Branham dit ceci. Il dit: Now notice, the trumpet that we are speaking of is a call together for either a feast. J'ai vu Billy sortir, j'étais distrait. Les enfants, vous venez de la pause, il n'y a pas 20 minutes. C'est à ce moment-là que nous vous disons qu'il faut utiliser les bathrooms et tout ça. Mais vous attendez, c'est pas le moment de la prédication, vous commencez à faire des va-et-vient, des trucs comme ça. Après seulement une quinzaine de minutes, une vingtaine de minutes. Hein? Il dit: It is a call together for either a feast, for a whole, for a person. Il dit que, remarquez que les trompettes dont nous allons parler, c'est un appel au rassemblement pour une fête, pour une guerre ou pour une personne. For sacred day is something like that. Notice, you say, for a person, oh yeah, or in the year, for the year of Jubilee, the announcing of the coming of freedom, when they could go back, now we could take a complete mourning on just that one thing. But now getting into the trumpets, you go to the background now of the seals and the church. Now we are going into the trumpets. The trumpet sounded, and the trumpets did not either war, feast day, or what it means is a gathering together of the people, the trumpet. Amen. Donc, la trompette, c'est à toi. Donc, le but de la trompette, d'abord, c'est pour réunir les gens. Amen. Mm-hmm. Les réunir, pourquoi? Il dit que c'est les réunir dans le but de la fête ou la guerre ou une personne. Reconnaître une personne. Amen. Amen. Donc, reconnaître une personne. Donc, ça, c'est une idée que vous devez garder. Parce que lorsque nous allons arriver à la fête des trompettes, la raison pour laquelle Jésus est en train d'aborder la fête des trompettes, c'est parce que j'entends beaucoup de gens et des grands pasteurs dire que le sixième sceau n'est pas révélé. Certains disent que le sixième sceau n'est pas accompli. Certains disent que le sixième sceau, c'était un ovacra. Donc, ça s'est fendu. C'est comme un mur. Hein? Il dit que the sixth seal was not open, it was overcracked. Overcracked, donc en anglais, c'est comme un mur. Hein? Vous êtes devant un mur, vous ne pouvez pas voir. Maintenant, il y a une fente. Le mur s'est fendu un peu. Alors, vous pouvez regarder seulement un peu. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont encore des mystères. Oui, oui.
Certains disent que le sixième sceau, il est révélé, mais il n'est pas accompli. Oh là là. Vous comprenez? Alors, ce sera ça l'idée en général. Nous allons prendre ces trois choses. Donc, les guerres, les rassemblements, la fête et la personne. Pour voir si ces choses ne sont pas réalisées. Amen. Amen. Voir si ces choses ne sont pas réalisées. C'est très important. Alors, je disais que cet agneau, il est immolé dès avant la fondation du monde. Amen. Ça, c'est Apocalypse 13:8. Maintenant, on dit ceci. So, therefore, the Bible plainly said that Jesus was the Lamb of God, slain before the foundation of the world. Amen. Donc, lorsque vous voyez Jésus de Nazareth, c'est l'antitype de ce qui était dans la pensée de Dieu. For at the moment God spoke it, he was slain in heaven at that time. Lorsque Dieu a seulement parlé de ça au ciel, Jésus était déjà immolé à ce moment-là. Il dit, the only thing it had to do was materialize. Donc la seule chose qui restait, c'était que ça vienne se matérialiser. Only thing it had to do was come out to a head. 4,000 years later, before he was ever slain, actually. But when God spoke it, it was so perfect, and it had to be, and it could be recorded as a document in heaven. Because God said so, had to be. Vous savez, l'histoire de Dieu, il n'y a rien qui surprend Dieu. Non. Tout ce qui se passe sur la terre, Dieu connaît. Le frère me dit que la raison pour comment est-ce que Dieu prédestine, il dit que Dieu prédestine à cause de sa préscience. Parce que sa préscience lui monte déjà dans les cœurs des gens. Il sait à chaque époque qui sont ceux-là qui vont croire en sa parole et qui sont ceux-là qui ne peuvent pas croire en sa parole. Voilà en quoi Dieu aimait et Jacob, et en quoi est-ce que Dieu haïssait Esaü? C'est parce que Dieu savait que Jacob chercherait le droit d'aînesse par tous les moyens et qu'il l'aurait, et que Esaü, en lui, il n'avait pas cette soif du droit d'aînesse. Alors Dieu, qui ne change jamais sa pensée au sujet de sa parole, avait déjà vu ça. Alors dès son enfance, il ne veut même pas lui faire semblant de l'aimer. Il le hait dès le départ parce qu'il sait que celui-ci, jusqu'à sa mort, ne croira jamais ma parole. Et Jacob, malgré qu'il avait des erreurs, Dieu ne fait même pas un effort pour le haïr parce qu'il sait qu'à la fin, il va accepter. Amen. Amen. Alors nous voyons que Jésus était l'agneau de Dieu. Ce que Moïse a représenté dans l'Ancien Testament, amen. Il parlait de Jésus, ça s'est matérialisé en Jésus, mais en cela, ce n'est pas seulement l'homme Jésus de Nazareth, mais ça parle de Dieu lui-même qui descend pour prendre la place des hommes, mourir, verser son sang, afin que la vie qui est en lui revienne sur l'adorateur. Amen. Amen. Vous comprenez ces choses? J'ai dit que c'est la première fête pour que vous puissiez comprendre que toute vie chrétienne devrait commencer là. Ça devrait commencer au point où nous, nos pensées, ou ce que nous avons comme pensée, meurent, et que c'est la pensée qui était en Christ et commence à se manifester dans notre vie. Il dit que now Abel saw it and sacrificed a lamb. Donc, Abel avait vu ça et là, donnant sacrifice à l'agneau. Il dit que it was a revelation. Amen. Vous voyez les choses de Dieu, ça commence avec une révélation. Yeah. All down through the ages, it has been revelation, revelation, and tonight is revelation. Not an outward form, not a declaration of peace, not a group of prayers. Pas beaucoup de prières, pas beaucoup de choses, de cérémonies, beaucoup de credos. Non, nous voulons comprendre la révélation que ici sur terre, il n'y a aucun homme qui pouvait prendre ma place, ni
mon grand-père, ni ma mère, ni mes enfants, mais qu'il fallait que Dieu lui-même vienne mourir, prendre mes péchés sur lui, qu'il puisse mourir et que sa vie revienne sur moi. Il dit, not a thing of peace, but a direct revelation that God has revealed to you that Christ is the Passover Lamb. C'est ça la justification. C'est lorsque vous reconnaissez Jésus comme étant votre sauveur. Lorsqu'il se révèle à vous comme étant votre sauveur. Tout ce que les gens font là dehors, c'est parce qu'ils n'ont pas encore jamais, ils n'ont jamais reçu cette révélation. Il dit que that he bore all your sins and you have accepted him as the sin offering in your stead. Upon this rock I'll build my church and the gates of hell shall not prevail against it. You see, it's a revelation. Dans chaque âge, Dieu envoie Christ, la parole de cet âge-là. Les gens qui vont dans cet âge doivent recevoir la révélation. Amen. Amen. Qui ne doivent pas vivre la vie selon eux, mais que pour l'âge dans lequel ils vivent, Dieu avait déjà une pensée avant la fondation par rapport à cet âge, c'est cela qu'ils doivent laisser se matérialiser dans leur vie. Amen. Amen. Alors, la fête de Pâques était la première. Ça s'est passé en Égypte. Ça parlait de la justification. Amen. Ça parlait de la justification. Ça veut dire que pour commencer, vous ne l'aviez même pas fait. Amen. Vous comprenez que être justifié, Abraham dit que ce n'est pas quelqu'un qui est comme pardonné. Parce que lorsque vous êtes pardonné, on peut les gens déjà peuvent se souvenir. Si un frère venait me voler une montre et qu'il vient chez moi, je dis que je te pardonne. Les gens, un jour, j'ai dit à quelqu'un que pardonner, ce n'est pas oublier. Il m'a dit, non, frère Freddy, tu as tort. Nous devons être comme Dieu, nous devons comme ça, pardonner comme Dieu. Dieu, lorsqu'il pardonne, il jette dans la mer de l'oubli et on oublie. Moi, je dis, frère, non. Si tu prends le pardon de cette façon-là, tu ne pardonneras jamais dans ta vie. Tu ne seras jamais en mesure de pardonner. Et tu ne peux pas oublier parce qu'amener quelqu'un à oublier, c'est ôter une partie de sa mémoire. Or, c'est difficile. Je lui ai dit que regarde, le roi qui avait remis les péchés, qui avait pardonné au monsieur qui lui devait de l'argent, il lui a pardonné. Le monsieur a reçu le pardon, il est sorti. Il a trouvé quelqu'un qui lui devait lui. Il l'a étranglé et l'a amené jusqu'en prison. Lorsqu'on est venu rapporter au roi, je lui ai dit que regarde, le roi n'avait pas oublié que ce monsieur-là lui devait, qu'il lui avait pardonné. Mais il n'avait pas oublié. Le monsieur dit, non, moi j'ai dit, mais si c'est oublié, alors pourquoi est-ce que Pierre a demandé à Jésus combien de fois dois-je pardonner? C'est parce qu'il comptait. Amen. Si tu oublies, tu ne vas pas compter. Et si Jésus a dit que 7 fois 7, c'est 77 fois 7, c'est parce que tu peux compter même. Pardonner, ce n'est pas oublier. Pardonner, c'est minimiser la chose et ne pas traiter quelqu'un par rapport à son erreur. Amen. C'est ça. Donc, il t'a volé la montre, au fait, tu m'as volé, ok, ça va, il n'y a pas de problème. Prochainement, il vient, il a un problème d'argent. Si tu peux l'aider, tu l'aides. Non, parce qu'il m'a fait voler, je ne peux pas aider. Vous comprenez? Ce n'est pas cela. Alors, justifier, le frère me dit que ce serait donc comme si la personne ne m'avait même jamais volé la montre. Donc, vous oubliez. Donc, c'est comme si ça. Comment est-ce que vous recevez cette révélation? C'est lorsque vous comprenez que, avant que moi-même je ne vienne sur la terre et que je ne sois pécheur, amen. Dieu lui-même, dans sa pensée, c'est lui qui avait conçu ça. Ça n'a rien à voir avec moi. Donc, c'est Dieu, pour commencer, c'est pas moi qui l'ai fait. Alors, cette première fête nous présentait Jésus comme étant notre agneau immolé. Amen. Qui parlait de la rédemption où Dieu lui-même devait descendre, prendre la place de l'homme afin que vous puissiez prendre sa place. Amen. Amen. Le Frère dit que afin que vous deveniez lui.
que vous devenez même justice de Dieu lui-même. Amen. C'est ça le bon samaritain. Il a laissé le monsieur là qui souffrait, lui il est descendu en bas, l'autre a pris sa place. Amen. Amen. Alors, le frère, maintenant cet agneau ici, qui était Jésus, devrait être immolé seulement une seule fois. Voilà pourquoi les gens qui veulent que Jésus de Nazareth puisse encore rentrer, c'est pas juste. Parce que s'il revenait même comme encore un bébé, et qu'il grandissait encore, il doit encore mourir, ce sera encore le frapper pour la deuxième fois. C'est ce qu'on avait dit à Moïse de ne pas faire. Moïse a frappé le rocher devait être frappé une seule fois. Parce que Dieu ne devait venir verser son sang qu'une seule fois. Amen. Amen. Une seule fois et ça rendait toute l'église parfaite aux yeux de Dieu. Si vous-même vous voyez des pécheurs, ça c'est votre problème. Si vous voyez vous-même encore que vous n'êtes pas parfait, ça c'est votre problème. Si vous laissez les gens vous, vous persuader que vous n'êtes pas parfait, ça c'est votre problème. Amen. Amen. L'essentiel c'est qu'au fond de votre cœur, que vous puissiez être sincère, que par rapport à la parole de Dieu, que Dieu vous révèle, vous vivez cette parole de Dieu. Amen. Amen. C'est cela. Il dit, once for by one sacrifice, as he perfected forever those that are sanctified and in Christ Jesus, once for all. Donc, une fois pour toutes, écoutez maintenant le but pour lequel il est venu. Il dit, but one time Christ sanctifies a human soul by filling him with the Holy Spirit, it is perfected forever. Amen. There you are, no more desire to go out. Amen. For the worshiper once purged has no more conscience or desire, the right translation. Yes. The worshiper once purged, oh, I wish I could just sing that deep. The worshiper, the believer once purged has no more desire of sin, never. Seated forever, for he has perfected by one sacrifice forever those that in Christ Jesus. The world become dead. You don't care for it no more. Your affection are set on the things above. Amen. Donc il vient maintenant pour purger, pour purifier. Amen. Parce que c'est ce que le sang des boucs et des taureaux ne pouvait pas faire. Ça ne pouvait pas amener l'homme dans la perfection. Quelqu'un venait avec un agneau, il avait volé dans son cœur. Le désir de voler était toujours là, malgré qu'il va poser la main, le sacrificateur fait toute cette cérémonie-là, mais oui, ce qu'il veut, il veut seulement accomplir ce que la loi dit pour qu'il soit libre, mais il sait que demain, après demain, je n'ai pas encore volé, et je vais encore revenir de cette manière-là. Amen. Maintenant, avec Jésus, lorsqu'il vient, il vient pour ôter le désir. Amen. Amen. Vous n'avez pas le désir d'injurier. Vous n'avez pas le désir de voler. Vous n'avez pas le désir de tricher. Vous n'avez pas le désir de faire ces choses. Amen. Amen. Vous, votre désir maintenant, ce sont les choses qui sont d'en haut. La parole de Dieu, ce que vous voulez voir. Amen. Amen. C'est ce que vous voulez voir. Maintenant, lorsque l'agneau, ça c'est quelque chose que je voulais que vous puissiez voir. La deuxième fête, c'est quelle fête? Si ça est le cas, do you know the second feast? Sabbath? The Last Supper. No, the Lord's Supper. Yes, that, it will turn to that. La deuxième fête, c'était la fête de pain sans levain. Amen. 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 Unleavened bread. C'est ce que nous faisons aussi avec la communion. J'ai ça. C'était pas vraiment wrong, mais c'est presque ce que nous faisons. Le frère de Nono, c'est maintenant Moïse. Après la Pâque, les enfants d'Israël, une fois qu'ils avaient immolé l'agneau, les 7 jours qui suivent, les enfants de Dieu ne devaient, les enfants d'Israël ne devaient prendre que le pain sans le vin. Amen. Ils ne devaient prendre que le pain sans le vin. Le pain sans le vin, c'est le type de ce que nous faisons avec la communion. Nous prenons Jésus Christ, lui qui est le pain de vie, nous le brisons. Amen. Ce sont des symboles. Nous brisons et nous faisons partie.
partis tous de ce même pain-là. Maintenant, lorsque en Israël, les enfants d'Israël immolaient l'agneau et ils utilisaient le sang, l'agneau, la chair, on ne jetait pas ça. Amen. Amen. On ne jetait pas ça. Il fallait prendre maintenant cette chair de l'agneau et manger ça. Yes. Amen. Amen. Dans la communion, le frère Branham dit, c'est une idée de la communion. Amen. Branham dit que in the taking of the communion was the difference between life and death. Donc en prenant la communion, c'est ce qui faisait la différence entre la vie et la mort. Those who were on the inside, under the shed blood, took the communion. Ceux-là qui sont déjà sous le sang versé de l'agneau, qui était à l'intérieur, ils mangeaient sa chair. Ils prenaient la communion, le pain, sans le vin. No one could take the communion outside being under the shed blood. Voilà pourquoi je vous dis que la Pâque, ce n'est pas quelque chose que nous devons négliger. C'est la première des fêtes, ça montre le commencement, l'essence de la vie chrétienne. Que les gens ne devraient pas parler des autres fêtes alors que la première fête n'est pas une réalité dans leur vie. No one could take the communion outside being under the shed blood. Est-ce que tu as déjà reçu la révélation que Jésus-Christ devait venir prendre ta place et que toi tu devais mourir aux choses du monde et que Jésus devait ressusciter en toi? The blood of the lamb was shed first and then was put on the lintel of the doorpost. The lintel is the cross timber and the doorpost. And then the lamb was roasted. Donc il était grillé. And was eaten with bitter herbs. Et devait être mangé avec des herbes amères. Amen. Amen. C'est pour ça que vous voyez qu'en Apocalypse 10, on demande aussi à Jean d'aller prendre le livre de la vallée. Amen. Il faut le manger. De la vallée, il sera doux dans ta bouche et amer dans. C'est lorsque maintenant, c'est dans le ventre que la nourriture devient nous. Amen. C'est lorsque la parole de Dieu maintenant entre dans ta vie et que tu commences à réaliser que d'abord la volonté de Dieu, j'aime le Sunday School d'aujourd'hui. Parce que j'ai toujours dit que dans le Sunday School, nous devons retenir une leçon. Si nous ne faisons pas ces histoires, mes frères, nous ne faisons rien, absolument rien. Autant les gens qui sont là derrière, dehors, en fait, non. Nous devons commencer à saisir les leçons. Amen. Amen. Nous ne sommes pas dans un truc où nous voulons faire la volonté d'homme ou plaire aux hommes. Dieu déteste cette attitude d'un homme qui regarde à ce que les gens diront, ce que les gens feront, ce que les gens peuvent. Mais c'est la volonté de Dieu qui compte. C'était ça, Saül. Amen. Dieu a fait quoi? Il a rejeté, ne voulait même pas de sa prière. Dieu ne voulait même pas compris pour ça. Et Dieu ne voulait pas. Parce qu'il ne peut pas encore changer sa position. Et nous avons réalisé que dans la plupart des cas, ce que nous pensons comme étant la volonté de notre vie, c'est vraiment des milliers de kilomètres de ce que Dieu a en réserve pour nous. Mais c'est compliqué, je vous dis. C'est compliqué. Ce que nous avons comme pensée. Que ma vie, bien que je suis chrétien, je vais maintenant faire ceci, je vais faire ceci, je vais faire ceci, je vais être comme ça. C'est à des milliers de kilomètres de ce que Dieu lui maintenant a comme projet sur ta vie. Ça, c'est vrai. C'est là que les amertumes commencent. Lorsque tu commences à lire la parole de Dieu, tu commences à voir que, waouh, moi qui pensais que c'était Elia, même le prophète lui-même, il était pris. Voilà pourquoi on dit que ces cinq sens nous ont beaucoup embrouillé. Amen. Comment est-ce que ça nous embrouille? Ça nous embrouille. Samuel, un prophète de Dieu, il se laisse embrouiller par les cinq sens. Il regarde les diables. Il regarde Abinadab, si c'est avec Shaman. Il regarde des costauds là. Il dit ça, c'est frère. Non. Dieu n'est pas là-bas. Amen. Amen. Dieu regarde un cœur qui va faire sa volonté. Amen. Amen. C'est ce que Samuel ne pouvait pas faire. Non, il préférait faire la volonté de
les hommes, que tous les hommes puissent l'applaudir, pendant que Dieu est vraiment contre lui. Alors il fallait prendre ça et manger. Jésus qui est venu, qui s'est donné, il est devenu le pain de vie, il était le pain sans levain, et maintenant nous, nous devons le manger, parce qu'après la Pâque, il prenait maintenant le pain et le pain sans levain pendant 7 jours. Hein? Il prenait cela pendant 7 jours. Écoutez ce qu'un Corinthien dit, 1 Corinthiens 5, 6, nous devons retrouver ces choses aussi dans la Bible. Amen. Amen. Il dit, 1 Corinthiens 5, 6, il dit, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte, fait disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Amen. Amen. Vous êtes sans levain, car Christ est notre Pâque, hein, a été immolé. Ah, vous voyez? Ça, ça parlait de Christ. Christ devient notre Pâque. Mm-hmm. Voilà pourquoi dans les choses de Dieu, il faut avancer. Il ne faut pas rester seulement dans des dénominations. Vous prenez seulement la Pâque. La Pâque, c'est seulement immolé. Nous, nous sommes des gens, mais vous, nous avons compris que la Pâque, c'était Christ. Vous voulez maintenant prendre Israël, les ramener à la Pâque encore, les animaux. C'est que vous ne comprenez pas la raison des trompettes pour les enfants d'Israël. Parce que les trompettes font sortir. Ce sont des appels à sortir. Ça vous rassemble quelque part. Il dit que célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté, de la vérité. Amen. Amen. Le pain sans levain, c'était même le titre de la sanctification. Amen. Parce que il vient pour la première fois, pour la première, Jésus vient pour racheter, pour racheter l'église. Amen. Amen. Il est venu, il a purifié l'église dans le but d'envoyer l'esprit, que son esprit puisse rentrer. Amen. Mm-hmm. Parce que son esprit ne va pas entrer parce qu'on n'était pas purifié. Mm-hmm. Alors c'était le pain sans levain. Maintenant, le levain, c'est quoi? Lorsque nous disons pain sans levain, vous avez vu ce que le frère a fait ici. Frère, je pense que c'est le pain sans levain. C'est la vie sur la levain des frères. Bien sûr. C'est le type que nous avons ici. C'est le pain sans levain que nous prenons. Pourquoi? Alors vous voyez que nous ne devons pas commencer à faire ces histoires si nous ne comprenons pas ce que ça fait dans nos vies. Pourquoi est-ce que nous faisons cela? Lisons un peu en Matthieu 15 et 16, voir un peu qu'est-ce qu'était le levain. En prenant ce pain sans levain, est-ce qu'en vous, vous avez encore le levain des malices et des méchancetés, ou bien vous n'avez pas de levain? Matthieu 16, 5, il dit que les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Ah, vous voyez? Donc les sadducéens, les pharisiens qui étaient les serviteurs de Jéhovah, qui servaient Jéhovah dans l'Ancien Testament, ils avaient leur levain. Ils donnaient aux gens du pain avec leur levain. Maintenant, Jésus, il est venu pour qu'ils puissent être le pain sans levain. Il dit, les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus, l'ayant connu, dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi? Je sais que vous n'avez pas pris de pain. Êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous plus ces 5 pains, ces 1000 hommes et combien de paniers vous avez emporté par vos salis? Ni les 7 pains et les 4000 hommes et combien de corbeaux vous avez emporté? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé? Amen. Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. 12 d'escopésis que vous puissiez me la comprendre. C'est ça, j'ai toujours dit tout ça là qu'il faut, aux yeux moi, on sait que la Bible, au long où il est venu à Katinaïo, aux yeux en mots, qu'est-ce que Dieu voulait dire? Il dit, alors il comprit que ce n'était plus du levain du pain qu'ils avaient dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens, leur doctrine. Amen. Merci. Amen. Leur doctrine et leurs enseignements. C'est de ça qu'il fallait donc ôter.
quelle autre ces histoires. Et nous, dans le message aujourd'hui, nous n'avons pas droit à avoir encore des levains. Nous n'avons pas droit à voir ces histoires. Et le levain maintenant que nous avons, c'est le levain catholique. Il n'y a pas de levain pentecôtiste, il n'y a pas de levain protestant, il n'y a pas de levain méthodiste. Tout ça, c'est le levain catholique. Leur source, c'est là-bas. Et ils prennent ça et font ça sur notre forme. Mais tout ce que nous avons comme fausse doctrine, ça vient du catholicisme. C'est leur mère. Amen. Et beaucoup de gens sont venus dans le message avec ce levain. Et ils veulent maintenant mélanger cette parole avec le levain. Ça n'ira pas. Amen. C'est ça la grande difficulté. On vous montre ce que c'est Dieu avait dans sa pensée sur l'enlèvement. Vous ne voulez pas. Alors vous gardez ce que votre mère, Babylone, avait. Vous refusez ce que Dieu avait. Amen. Amen. Vous refusez ce que Dieu avait. Maintenant vous restez avec ce que votre mère avait. Il dit, et je parle comme à des hommes intelligents. Jugez-vous vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Les gens avec plein de levain, ils prennent chaque fois la communion avec beaucoup de doctrines catholiques. Vous refusez tout ce qu'on présente du message. Dans le message, les choses, c'est comme ça. Ah! Vous restez toujours avec des levains babyloniens. Amen. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Amen. Car nous participons tous à un même pain. Amen. 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 Voyez, frère, on doit prendre ces choses. Jésus est venu dans un but. Purifier, hein? Oui, laisser les choses du monde, fumer, c'est bien. Mais, les gens gardent beaucoup de fausses doctrines en eux. Mais un bon frère qui est gentil, mais avec des mauvaises doctrines en lui. Vous comprenez? Tu as une mauvaise doctrine sur le millénium, une mauvaise doctrine sur l'enlèvement, une mauvaise doctrine sur la résurrection. Tout ça, ça doit disparaître. Ça doit disparaître et ça doit s'éclipser. Maintenant, la troisième fête, c'était quoi? Vous allez voir comment c'est beau à la fin. La troisième fête, jubilé. Hein? Jubilé, non. La troisième fête, c'est ça, nous, l'homme, nous sommes dans il faut les connaître. Hein. C'est très important. Ça a une affaire à faire. Ça a quelque chose à faire avec votre vie. La troisième, c'était la fête des prémices. Amen. Hein? La fête des prémices ou de la gerbe hein, agitée. Amen. Amen. Ça parlait de la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ça parlait de la résurrection de Jésus-Christ. Lui qui est venu, qui a été immolé, qui est devenu le pain. Sans le pain, il est ressuscité. Le troisième jour. Amen. Amen. Écoutez ce que Paul dit en 1 Corinthiens 15, 20. Il dit, mais maintenant Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. La gerbe agitée. Dieu est venu, il a pris le péché sur lui. Il a été immolé. Et il est ressuscité pour être agité, montrer aux gens que voilà l'un de vous qui est ressuscité. Vous aussi, vous ressusciterez. Amen. Amen. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous vivront en Christ. Amen. Mais chacun à son rang. Christ comme prémisse. Prémisse. Amen. Donc vous voyez que toutes les trois fêtes ici, ça parlait de Jésus. Amen. Yeah. Amen. Amen. Toutes ces trois fêtes ici, ça parlait de Jésus. Et ces trois fêtes, dans la tradition juive, il faisait ces trois fêtes durant le premier mois. Amen. Durant le premier mois. Le premier mois qui était le mois de Nissan. Ici, la Pâque est commencée le 14e jour. Et puis le 15e jour, ils vont faire le pain sans levain. Amen. Et puis ils vont faire la fête des prémices. La résurrection
les prémices, first fruit. Yeah. Donc ces prémices, donc, c'est le premier fruit de la résurrection. Jésus est venu, il nous a montré la résurrection. Le but de la venue de Jésus, ce n'était pas pour venir seulement vivre et mourir. Non, il devait maintenant aussi ressusciter. Dans le but de ressusciter dans vos vies. Pour moi, vivre, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Lorsqu'il a ressuscité, il est ressuscité, il est venu pourquoi? Jésus est venu afin de purifier son Église, afin que lui-même vienne dans l'Église, qu'il puisse continuer ses œuvres. Et lorsqu'il est ressuscité, nous comprenons que ici, Jésus-Christ, il est parti dans l'ascension, dans l'enlèvement. Amen. Et qu'au jour de la Pentecôte, amen, amen, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Voyez comment je suis en train d'aller avec ça. C'est pour vous donner une suite, pour que vous puissiez comprendre ces histoires. Amen. Que vous ne puissiez pas comprendre des histoires comme faites des trompettes, vous comprenez ça. Vous ne savez pas même d'où ça vient. Vous ne savez pas ça parle de quoi. De tout comme ça. Nous voulons vous montrer l'ensemble pour que vous puissiez comprendre où nous en sommes. Tout ce que je vous parle ici, c'est déjà du passé. Bien que c'est du passé, mais dans quelqu'un qui accepte Christ aujourd'hui, tout ceci va se manifester dans sa vie. Amen. Tout ceci va se manifester dans sa vie. Mais c'est déjà du passé par rapport à la rédemption. Maintenant, lorsque maintenant, Christ, à la Pentecôte, au baptême du Saint-Esprit, il vient, il commence ce qu'ils appelaient la fête des sabbats. Amen. C'était la quatrième des fêtes de l'Éternel. Amen. Lorsque je vais commencer à parler de ces histoires, là je vais commencer à poser des questions parce qu'aujourd'hui, j'ai comme l'impression que beaucoup de gens ne connaissent pas encore ces choses. Amen. Mais je suis en train de donner ça. La prochaine fois, lorsque je vais commencer à parler, je vais commencer à poser des questions, je donne même le micro. Parce que nous voulons voir des gens qui apprennent. Amen. Amen. Nous voulons que les gens puissent. Parce que là, lorsque je vois des émissions qu'on fait sur les gens, on lui demande, pasteur, bon, montre-nous un peu comment est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit. Beaucoup de gens veulent parler d'une d'une expérience. J'étais là et puis j'ai senti quelque chose qui m'a fait des trucs comme ça et les gens. Non. Mais ça peut venir avec ça, mais tous ils parlent le même langage. Moi je n'ai pas. Le Saint-Esprit, c'est une compréhension claire des Écritures. Amen. La preuve qu'il y a le Saint-Esprit, ce n'est pas parce qu'il s'était jeté, il s'était tombé, des trucs comme ça. Non. Dans le baptisme, beaucoup de gens tombent. Non. La preuve, c'est qu'on a une compréhension claire de la parole. Alléluia. De Dieu. Amen. Amen. C'est une preuve que vous avez le Saint-Esprit. Amen. Ouais. Alors, les sabbats. Après les prémices, nous avons maintenant la fête des sabbats. J'ai aimé ce que le frère. Maintenant, dans la fête des sabbats, ce qui s'est passé, si vous lisez en Lévitique, lisez Lévitique 23, Lévitique 23, 17. Et Lévitique 23, 17, je vais prendre ça vite. Vous êtes fatigué, je vais arrêter bientôt là. Ça va. Lévitique 23, 17. Regardez que lorsqu'ils immolaient l'agneau pascal, ils mangeaient le pain sans levain. Mais durant la fête des sabbats, lorsqu'ils arrivaient à la fin, parce que la fête des sabbats, au fait, elle était célébrée 50 jours après la fête des prémices. Vous comprenez? 50 jours, pourquoi? Parce qu'ici, vous avez, c'est la fête des semaines. La fête des sabbats, c'est ce qu'on appelle encore la fête des semaines. Amen. À une semaine, à 7 jours. 7 jours. Vous avez 49. La 50e. Et le 50e jour, c'est là qu'ils célébraient, au fait, cette fête des sabbats. Lorsqu'ils célébraient ça, cette fête des sabbats, ils apportaient deux pains.
Mais c'est un pain qu'ils apportaient maintenant. C'était des pains avec du levain. Amen. On va voir ça dans la parole de Dieu. Amen. Il dit, vous apporterez, ça c'est durant la fête des sabbats, vous apporterez de vos demeures deux pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Et ils sont faits avec deux dixièmes de fleurs de farine cuits avec du levain. C'était cuit avec quoi? Avec du levain. Ce sont les prémices de l'Éternel. Donc, les deux pains qu'on va agiter le 50e jour pour fêter la fête des semaines, la fête des sabbats, on a mené deux pains qu'on agitait devant les gens. Ces pains ont été cuits avec deux dixièmes de farine, cuits avec du levain. C'est là que j'ai aimé le tableau que le frère a fait ici. Ici, nous avons le Seigneur Jésus, la pierre de fête. Amen. Amen. Voilà ce qu'il est. Lorsque vous le faites descendre dans l'âge, le premier âge de Paul, vous le faites descendre dans cet âge de Paul, tout ce que vous voyez ici, c'est du levain. Amen. Amen. Tout ce, c'est pour cela que durant les 7 jours, ces deux pains qui est mélangé, cela montrait que c'était la parole mélangée aux doctrines. Amen. Amen. La parole mélangée avec du levain des gens. Voilà, lorsque Jésus, après sa résurrection, il est venu à la Pentecôte, c'est là que l'Église a commencé. Lorsque l'Église a commencé, nous savons que après 300 ans, c'est là que maintenant l'Église catholique est venue avec tous ses dogmes, avec toute la pensée de Nicolas. Ils ont commencé, ils ont mixé la parole de Dieu. Yeah. Amen. Ils ont mixé la parole de Dieu et tous les âges, les gens avaient du levain. Or, la promesse disait que s'il n'y a pas de levain, alors là, Dieu descendrait. Amen. Or, dans l'âge de Paul, si on faisait descendre la pierre de fête, regardez tout ce qu'il y a comme levain. Amen. Dans l'âge de Irénée, regardez tout ce qu'il y a comme levain. Dans l'âge de Luther, regardez tout ce qu'il y a comme levain. Voilà pourquoi Luther étant la manifestation de Jésus, Luther étant une étoile, Luther pouvait fumer la cigarette. Amen. Amen. Il pouvait fumer la cigarette parce que la parole était mélangée aux doctrines. Il pouvait baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Vous comprenez le levain? Luther croyait que les Juifs étaient du diable. Amen. C'est comme ça qu'il, même, je pense que c'est, je pense que c'est le frère qui a dit ça, que Luther s'était même inspiré des pensées que, des penchants que, Hitler, Hitler s'est laissé inspirer par les pensées que Luther avait sur les Juifs. Yeah. Amen. C'est ainsi qu'il les a persécutés. Mais lui qui était une étoile dans les mains du Seigneur, il y avait plein de saints. La raison pour laquelle ils sont en train de mélanger la parole et la dénomination, c'est parce qu'ils veulent que la parole de Dieu puisse dire ce que leur dénomination dise. C'est là que c'est dangereux que tout le monde puisse commencer à traduire les messages. C'est dangereux. Je vous dis que c'est dangereux, mes frères. Amen. Pourquoi? Parce que chaque traduction essaiera de influencer la traduction pour que la traduction dise ce que leur dénomination dit. Amen. 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 C'est là que c'est dangereux. Pour nous avons eu la grâce d'être dans des pays anglophones. Anglais. Amen. Tous ont en anglais, Saint-Esprit va nous traduire en anglais, mais tous ont en anglais. Yes, sir. Tous ont en anglais parce que quelqu'un qui ne croit pas que les tonnerres sont révélées, si vous lui donnez les brochures pour qu'il puisse les traduire, il va faire un effort pour mettre des mots pour que ça sonne comme si les tonnerres ne sont pas révélées. Alors laissons à ceux-là qui n'ont pas de dénomination à traduire. Par contre, parce que la dénomination t'est. Il n'a pas tellement de bonne sérité, on les laisse les traduire. Amen. Amen. Parce qu'eux au moins,
l'esprit n'est pas vraiment derrière les dénominations. Ce n'est que qui croit que Jésus est venu spirituellement. Il va aussi traduire pour que ça sonne un peu comme ça. Celui qui croit qu'il est venu physiquement, il va traduire pour que ça sonne comme ça. Celui qui croit que nous sommes dans les milléniums, il va traduire pour que ça sonne comme ça. Vous comprenez? Try to make the word say what the revelation says. And when you do that, you have to spray them, baby them, and give them God's son to come to Sunday school and everything. That's right. When a genuine born-again Christian born with the word of God is rugged. That's you. The lies and things of the world don't bother him. He's an ego. He flies long past. Yep. Now notice, you must understand that the denomination, creeds, and anything that is added of the living bread cannot mix with the living bread. Non, lorsque nous arrivons à ce niveau-là, vous ne pouvez plus maintenant mélanger. Non, non. Vous ne pouvez plus. Il dit, and the Bible foreshadowed here in the sacrament of going into the worship that no unleavened can be taken with you. That no unleavened can be taken with you and God will receive you. De la seule manière pour que Dieu puisse nous recevoir, on devait être sans levain. Or, l'Église, durant tout son parcours, l'Église avait beaucoup de levain. Amen. Amen. Elle avait beaucoup de levain. Et cela parlait de la fête des sabbats. Amen. Nous arrivons maintenant là où nous étions, à la fête des sabbats. Est-ce que vous retenez ça? Amen. La première fête, c'était encore quoi? La deuxième fête. Troisième fête. Worship. Où j'ai agité. La troisième fête. La fête des sabbats. Là, vous êtes en train de lire, mais prochainement, je ne ferai plus ça. Maintenant, lorsque nous arrivons à la fête des sabbats, le 50e jour, c'est là maintenant, la fête des sabbats était la quatrième fête. Nous avons vu que c'était la même vie qui était en Jésus ressuscité, qui est revenu. Vous voyez pourquoi on dit que Jésus n'a jamais quitté la terre. Amen. Durant les âges, il était seulement lié. Ça, ce sont des choses qu'on va voir en fait dans la fête des trompettes. Amen. Nous allons voir toutes ces histoires-là, comment est-ce qu'on lit, comment est-ce qu'on délit. On doit voir toutes ces histoires pour comprendre si c'est réalisé ou ce n'est pas réalisé. C'est accompli ou ce n'est pas accompli. C'est révélé ou ce n'est pas révélé. Amen. Amen. Alors Jésus entre dans les actes des églises. Là vous comprenez que par rapport à la rédemption, lorsque nous étions au temps d'Irénée, nous étions ici. Lorsque nous étions au temps de Martin, nous étions ici. Lorsque nous étions au temps de Colomba, nous étions ici. Luther, Wesley, et à la fin ici nous avons maintenant le frère Branham. Vous comprenez, c'est là que je ne voulais pas venir avec la fête des trompettes seulement donc du superflu. Que vous puissiez comprendre que c'est une chose d'actualité. Amen. Ce sont des choses qui sont d'actualité de notre âge. Après la fête des sabbats, maintenant intervenez ce qu'on appelait maintenant la fête des trompettes. Amen. Amen. C'est là que je vais baser mon enseignement. Amen. Amen. Parce que c'est vraiment d'actualité. Ce sont, vous voyez, ces fêtes ici, si on peut en parler, c'est pour amener le nouveau croyant. Vous comprenez? Parce que même les juifs eux-mêmes, pour qu'ils croient en Jésus, vous devez les ramener à ces choses, leur expliquer pour qu'ils comprennent. Mm-hmm. Mais par rapport à la dispensation, ça c'est déjà du passé, ça c'est déjà du passé, ça c'est déjà du passé, ça c'est déjà du passé. Les faits qui sont presque de notre âge, qui sont aussi du passé, mais qui concernent cet âge ici. Donc, ce sont les fêtes des trompettes, c'est la fête des trompettes, la fête du jour des expiations, la fête des tabernacles et la sainte convocation. Ce sont des choses qui doivent intéresser le croyant actuellement, où il doit voir maintenant les accomplissements, parce que ce sont les accomplissements qui se sont accomplis du temps du frère Branham. Amen. Amen. Alors, je ne pouvais pas venir avec ça directement sans que vous puissiez comprendre ça. Je me suis dit que je vais les amener pour qu'ils puissent arriver que nous sommes maintenant à la fête des trompettes, qui était maintenant, comme on l'a vu, de l'assemblement. Après la fête des trompettes, nous avons quelle fête?
les expiations. Ok. La fête du jour des expiations. Hein? Ça, ce sont des choses qui ont à faire avec vos vies. Donc, juste après la fête des trompettes, comme nous l'avons vu maintenant, les trompettes sonnaient pour un rassemblement. Et c'est une fête. Au fait, lorsque vous voyez par rapport à la dispensation, vous verrez que ça, amen, c'était Jésus. Mm-hmm. Ça, c'est toujours maintenant, toujours Jésus. Jésus dans les âges. Maintenant, dans les âges, du côté des nations. Alléluia. Amen. Amen. C'est, amen, toujours Jésus dans les âges, mais du côté des nations. Lorsqu'on arrive ici, la fête des trompettes, mm-hmm, ça rentre encore aux Juifs. Amen. 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 La fête des expiations, ça rentre encore aux Juifs. Amen. Lorsque nous arrivons à la fête des tabernacles, amen. Amen. Là, ça concerne et les nations et les Juifs. Et les Juifs. Amen. Ça, ce sont les choses d'actualité. Après, là, on avait les sept fêtes de l'Éternel. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième, amen, la cinquième. Non, j'ai souligné. Ah, la cinquième, la sixième, et nous avons la septième. Amen, amen, amen. Vous voyez, nous avons la septième. Après la septième, maintenant, vient la sainte convocation. Amen. Yes, sir. Amen. La sainte convocation qui était comme la huitième, qui nous amène dans l'éternité. Amen. Amen. Maintenant, vous savez que par rapport à la dispensation, par rapport à la rédemption, nous avons déjà dépassé toutes ces fêtes. Oui, oui. Le frère Branham dit que nous adorions, du temps du frère Branham, il dit qu'on adorait déjà sous la fête des tabernacles. Or, la fête des tabernacles, je reviens encore, je vais encore rentrer ici. Je disais que ça, c'était Jésus dans les nations. Vous comprenez maintenant pourquoi je vais vous commencer à parler à partir d'ici. La fête des trompettes. Pourquoi est-ce que je vous ai amené jusqu'ici? C'est pour que vous puissiez comprendre là où nous sommes. Après les âges qui sont terminés, nous voulons maintenant voir si vraiment la fête des trompettes, qui est le sixième, qui est considéré par le sixième saut, si ces choses ici sont révélées et accomplies ou pas. Ou ceci sont des choses que nous attendons, ou sont des choses qui sont déjà accomplies. Alors si c'est déjà accompli, c'était suivi directement de la fête des expiations. Dans la fête des expiations, ici nous avons dit que c'était un rassemblement d'Israël. On les appelle, il y a des guerres, et puis ils reconnaissent une personne dans les expiations. Vous comprenez? Dans la fête des expiations, ils reconnaissent une personne. Dans la fête des expiations, il y a ce regret, il y a l'humiliation et le repentir. Dans la fête des expiations, il y a la repentance d'Israël qui se repent. Le frère Branham appelle ça la fête de deuil, le deuil d'Adlimon. Ils sont en train de pleurer. Comment ce fils unique, on l'a fait comme ça? Une fête de deuil. Amen. On expie leur péché. Après ça, ils vont dans des fêtes des tabernacles qui est le repos. Amen. Amen. Qui est le repos qui montre le millénium. Après, nous entrons dans l'éternité. Voyez comment la parole de Dieu est claire. Amen. C'est simple. Ici, vous avez déjà vos sceaux du premier au quatre. Amen. Ici, nous avons le sixième sceau. Ici, nous avons ça, dans toutes les trompettes, on dit qu'on serait sous le sixième saut. Parfait. Ici, le septième trompette correspond même au septième saut. Mm-hmm. Ici, nous entrons dans le millénium. Maintenant, vous voyez le cinquième saut est où? Trompette. Le cinquième saut est aussi ici.
Le cinquième saut, ce sont les âmes sur l'autel. Ce n'est pas les 144 000. Les âmes sur l'autel, c'est depuis que Jésus-Christ a été crucifié, tout cela qui croyait par-ci, par-là, Dieu ne les était pas perdus. Dieu a réservé une robe blanche pour eux. Maintenant, ce que je voulais, c'est juste vous montrer, amen. Je voulais juste vous montrer l'ensemble des faits, amen. Les situer par rapport à la rédemption, pour que vous puissiez voir les faits qui se sont réalisés au temps du frère Branham. Mais la prochaine fois, je vais directement faire un rappel et aller directement à la fête des trompettes. Amen. Fête des trompettes. Voir pourquoi le frère Branham n'a pas prêché les trompettes. Amen. Voir pourquoi le frère Branham n'a pas prêché les trompettes. Plutôt, il vient avec la fête des trompettes. Et dans la fête des trompettes, il parle des trompettes. Vous savez, une bonne manière pour dire de cacher les choses, c'est d'exposer ça et de dire aux gens que j'ai scellé ça. C'est ce que Dieu a fait. Jean ne l'écrit pas. Pourquoi on a demandé à Jean de ne pas écrire? Parce que c'était déjà écrit. Si on va passer ensemble et dire, ah, on lui a demandé de ne pas écrire. C'était quoi? Mais c'est ce qui est déjà écrit. En vous remettant, toute la Bible ne parlait que de la rédemption. Voilà pourquoi nous appelons ça le livre de la rédemption. Et ça concerne votre rédemption. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais arrêter là aujourd'hui parce que nous avons Saint-Saint. Et je vais appeler le frère qui va nous revenir dans la communion. Amen. Vous allez encore oublier ces histoires. Alors, la prochaine fois, je vais commencer à poser des questions. Pas pour vous vexer, mais pour vous aider.